Bienvenue sur Monaco Info, au sommaire aujourd'hui de ce journal. Nous débuterons la semaine sur les hauteurs de Monaco avec un retour dans le passé, coup de projecteur sur l'exposition Monoikos, l'histoire antique de la principauté. Retour sur le petit déjeuner débat du Monaco Press Club qui recevait cette fois comme invité la neurobiologiste Catherine Vidal. Et puis nous vous parlerons aussi dans ce journal de la 11e édition de l'Éco-Rallye San Marino qui s'est achevée ce week-end en principauté. Direction à présent le musée d'anthropologie et préhistorique de Monaco, jardin exotique. Alors une fois n'est pas coutume, le lieu accueille une exposition consacrée à la période antique de la principauté. Alexandra Pagny et Serge Prémont ont assisté au vernissage en présence du prince souverain. Des vases, des tuiles romaines, des amphores, ces objets tout droit venus de l'Antiquité sont à découvrir dans la nouvelle exposition du musée d'anthropologie préhistorique. Plutôt habitué à présenter des vestiges des périodes primitives, son directeur a choisi cette fois-ci de mettre en lumière cette époque faste pour la principauté et pourtant encore très méconnue. On s'est aperçu qu'on avait vraiment beaucoup de choses du Monaco antique, de découvertes anciennes qui ont débuté à la fin du 19e siècle lors de la construction de Monte Carlo par exemple, de la mise en valeur de la Condamine, des quartiers des Moneghetti, rue de la Colle. Donc nombreuses découvertes, des sépultures, une nécropole vers les gazomètres, un trésor monétaire, beaucoup de choses, un petit peu dispersées, mais dont je dirais 80% étaient centralisées au musée. Et on a donc travaillé avec deux spécialistes, qui sont deux historiennes, Ève Bondroit et Christine Didier, historiennes, et qui ont fait ce travail de récollement, qui est une valorisation de nos collections. Il aura fallu près d'un an et demi de travail pour les commissaires de l'exposition et les membres de l'équipe du musée. L'objectif, mettre en valeur le patrimoine monégasque. Nous connaissons évidemment Monaco pour l'histoire des princes, c'est surtout ainsi que Monaco est connu, et aussi bien sûr pour la préhistoire. Mais nous ignorions vraiment qu'il était aussi riche en tout ce qui concerne l'Antiquité, et nous avons découvert ça avec un plaisir évident. Découvrir plusieurs espaces, des espaces qui sont dédiés aussi bien à la vie quotidienne qu'aux funéraires, à la religion, et surtout des épaves, de magnifiques épaves, donc qui sont vraiment totalement inédites pour ce qui est de leur étude et du fait que nous les montrons au public. Ces vestiges archéologiques aussi variés qu'insolites nous apprennent que Monaco était un lieu connu et fréquenté dès la plus haute antiquité. Ces objets rares sont à découvrir jusqu'en janvier 2017 au musée d'anthropologie préhistorique situé dans l'enceinte du jardin exotique de Monaco. Vendredi dernier, le Monaco Press Club organisait un petit déjeuner débat avec pour invité la neurobiologiste Catherine Vidal. Au Monaco Yacht Club, l'ancien directeur de recherche à l'Institut Pasteur a pu parler de ses recherches sur le cerveau humain. Un reportage signé Jérémy Ballister. Hommes et femmes, avons-nous le même cerveau? La question était au cœur du débat du Monaco Press Club, auquel était invitée Catherine Vidal. S'appuyant sur son livre, la neurobiologiste a tenté d'expliquer à son auditoire que le cerveau n'a pas de sexe. On entend souvent dire que les femmes sont naturellement bavardes et bonnes en littérature, alors que les hommes, eux, sont bons pour s'orienter dans l'espace et pour faire des maths. Eh bien, en réalité, c'est pas du tout comme ça. En fait, s'il y a des orientations scolaires qui peuvent être différentes selon les filles et les garçons, c'est d'abord et avant tout par l'environnement social et culturel, mais ce n'est pas parce qu'au départ, on est né avec des cerveaux différents. Si les stéréotypes ont la vie dure, c'est qu'il était difficile de les contredire. Mais l'avancée technologique est en train de changer la donne. Dorénavant, on dispose d'une nouvelle technique qui s'appelle l'imagerie cérébrale par IRM, qui permet enfin de pouvoir étudier le cerveau vivant en train de fonctionner. Parce qu'auparavant, quand on voulait étudier un cerveau humain, on n'avait que des cerveaux morts qui étaient conservés dans le formol. Et maintenant, depuis qu'on peut étudier vraiment le cerveau vivant,
toutes nos conceptions, justement, sur comment fonctionne le cerveau ont beaucoup évolué. Si Catherine Vidal peut affirmer grâce à ses nouvelles méthodes que le cerveau n'a pas de sexe, il est surtout important pour la neurobiologiste de diffuser cette information. C'est très important, justement, de diffuser les connaissances scientifiques. Parce que avoir des connaissances, c'est bien, mais les partager, c'est encore mieux. Et il est vraiment important qu'auprès d'un large public, justement, les chercheurs fassent l'effort de sortir de leur laboratoire, de quitter leur blouse blanche pour vraiment s'adresser à un public le plus large possible, surtout pour faire évoluer les idées. Et en ce qui concerne tous les stéréotypes sur les femmes et des hommes, il y a encore, hélas, beaucoup d'idées reçues qui maintenant sont devenues complètement désuètes. Au travers de son livre et de différents débats, Catherine Vidal affiche un seul objectif, anéantir les stéréotypes entre les hommes et les femmes. Parlons automobile à présent. Ce dimanche, les voitures écologiques de la 11e édition de l'Ecorallye San Marino sont arrivées en principauté. Cette épreuve de régularité a rassemblé grand nombre de passionnés. Vanessa Dessy et Olivier Bonello étaient sur place. Promouvoir et développer des véhicules à faible impact sur l'environnement pour en démontrer les performances et la polyvalence, objectif atteint pour la 11e édition de l'Ecorallye San Marino. L'épreuve a réuni toutes sortes de voitures écologiques. Parti de Saint-Marin, le rallye de régularité s'est achevé place du Palais Princier. C'est une compétition réservée aux véhicules écologiques de faibles émissions en faveur de l'environnement. C'est une compétition qui arrive à sa 11e édition. Nous avons choisi cette prestigieuse arrivée en principauté pour la première fois et nous comptons renouveler l'expérience pour ces prochaines années. Nous avons traversé 4 pays, Saint-Marin, l'Italie, la France et Monaco. Nous avons organisé l'épreuve avec l'esprit d'Ecorallye. C'est une compétition internationale réservée aux véhicules qui ne polluent pas. Les équipages conduisent de plus avec prudence, car nous recommandons une conduite en toute sécurité et responsable. Parmi les équipages, un visage connu, celui de Fluvio Maria Balabio. Pilote, entrepreneur et consul honoraire en principauté, il est le fils d'un ancien pilote. Passionné de mécanique dès le plus jeune âge, aujourd'hui, Fluvio a choisi de prendre le départ avec une voiture roulant au GPL. GPL, parce que dans ces moments, si on ne part pas de l'énergie alternative électrique, c'est la façon plus simple pour pouvoir essayer d'économiser du CO2 en disant qu'avec un système très simple, à 1 000-1 500 euros, on peut essayer de ne pas rouler à gasoline à essence normale. Et c'est pour ça que nous sommes très contents, parce que c'est la deuxième année que l'équipe Monégasque arrive à gagner ce championnat. La voiture, c'est une Alfa Romeo, comme celle de mon coéquipier Massimo Liverani. Moi, j'étais ici seulement pour faire l'équipe. J'ai participé dans la catégorie presse. Et on a fait deuxième. On a raté la victoire pour très peu, mais on est très contents. Et honneur à les personnes qui sont arrivées devant nous. Sans surprise, l'équipage gagnant de cette édition n'est autre que le champion du monde des énergies nouvelles FIA. Une grande joie pour ce team déjà titré pour la deuxième fois. On est super contents, vraiment, c'était très difficile, surtout hier après-midi. On a bien cru qu'on n'allait pas gagner. Pourquoi ? Les deux dernières épreuves spéciales étaient très particulières. C'était le spécial du Rallye San Remo, donc très difficile. Il fallait aller très vite, donc on savait que ça allait être compliqué. Et bon, finalement, on s'en est très bien sorti. On a encore mieux marché que la concurrence, donc on est très contents. Les concurrents acquièrent ainsi des points comptants pour le titre FIA pilote, copilote et constructeur. Cette compétition est également valable pour le championnat italien de régularité des énergies alternatives et nouvelles. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. Le cabaret médical de retour à la Salle des Étoiles, organisé par le Centre hospitalier Princesse Grâce en collaboration avec la police de Monaco. Invités spéciaux,
Ce nouveau spectacle était cette fois donné au profit de l'action de la Croix-Rouge monégasque en faveur des réfugiés. L'avion solaire Solar Impulse 2 a décollé ce lundi de New York pour Séville, en Espagne. Une traversée de l'Atlantique périlleuse qui doit durer 4 jours, étape la plus longue de son tour du monde. Le pilote suisse Bertrand Piccard est seul aux commandes de l'avion qui fonctionne grâce à des batteries se rechargeant grâce à environ 17 000 cellules photovoltaïques installées sur ses ailes qui captent l'énergie solaire. Nous suivrons bien sûr son atterrissage depuis le Monaco Control Center d'ici quelques jours. Un mot à présent sur le bulletin météo. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Mardi, du soleil et quelques passages nuageux, des températures bien agréables avec 24 degrés au meilleur moment de la journée. Mercredi, un beau temps, calme et à l'abri du vent. Jeudi sera elle aussi une douce journée accompagnée de températures légèrement supérieures au normal. Vendredi, même prévision avec au programme un beau ciel bleu. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, intérieur design, art and gifts. Ce journal est à présent terminé. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Émilie Rousseau pour le Journal des Sports. Au revoir.